Sekouayuki, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil 0, ou plutôt un nouveau live. Faut que je dise live au lieu d'épisode, parce que en fait un live peut comprendre plusieurs épisodes, et ce sera notamment le cas de celui-là, puisque ce que je voudrais là, pour ce live-là, c'est terminer ce jeu. Je veux en finir avec ce jeu, parce que, comment dire, je veux le finir, je tiens à le finir jusqu'au bout, mais j'en ai marre en fait. Il y a trop de choses que j'ai du mal à apprécier dans ce jeu, donc bon, on va faire en sorte que quoi. Donc, on va reprendre tout de suite. Resident Evil Zero. Alors, pour ceux qui débarquent sur le live, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que... Excusez-moi, je suis perdue dans ce que je disais. Pour ceux qui débarquent sur ce live, vous allez me dire, mais pourquoi tu live à cette heure-là? Normalement, tu live pas à cette heure-là, c'est quoi cette histoire? Bah, en fait, c'est simplement que j'ai envie de finir le jeu, donc... Du coup, je live plus tôt, comme ça on va faire en sorte de terminer le jeu avant que ce soit la véritable heure de live, où là, je me mettrai sur Mad Max. Voilà. Du moins, c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, je sais pas si ça va être faisable avec tout ce qui nous reste à faire, mais on va essayer. Voilà. Salut, Simili. Hop. Et donc, on reprend. Allons faire un câlin à un humanoïde géant, c'est ça. Alors, au milieu du silence et des ténèbres, seuls les battements de votre cœur vous rappellent que vous êtes encore en vie. Que vous êtes en vie, pardon. Pas encore. Donc apparemment cette fois on a des balles de magnum. Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu viens de me gâcher mon effet au canet, mais c'est pas grave. Alors toi qui regardes cet épisode, toi qui as suivi l'épisode précédent, surtout, tu dois te dire mais il y a un truc bizarre. Cette arme-là, elle était pas là la dernière fois quand on s'est arrêté. Et puis dans l'inventaire, ces balles de magnum, elles étaient pas là. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Eh bien en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la sauvegarde avant qu'on prenne le train pour venir jusqu'ici. Et j'ai fait quelques changements, notamment le fait que du coup, on a les balles de magnum que je n'avais pas la dernière fois. Et en plus de ça, par terre, on a... Oui, non. Ah! Désolée. En plus de ça, par terre, on a... Le lance-grenade, ce qui va éventuellement nous être très très utile dans notre situation. Donc, on va tâcher d'utiliser la clé sur cette serrure pour commencer. Du coup, comme vous vous en doutez, avec Rebecca Full Life plus tous les trucs, on est dans une situation 1000 fois meilleure que ce qu'on était la fois précédente. Voilà. Cet humanoïde m'a traumatisé, il est tellement plus horrible que tous les autres mobs de ce jeu. Oh là là. Hop, alors. Hop, donc, on va laisser ça. Alors, je vais poser mes munitions 2 petites secondes. Le temps de faire une toute petite chose, c'est-à-dire prendre mon petit lance-grenade, prendre les grenades à côté. Allez, Rebecca! C'est en partie pour ça que je ne veux plus jouer à ce jeu. J'en ai marre des persos qui doivent tourner 107 ans pour trouver un truc qui est à leurs pieds, quoi. Hop. Alors. Combiner avec ça. Voilà. Comme ça, on a récupéré la place pour pouvoir emporter les munitions de Magnum. Voilà. Et là, on est paré pour aller affronter ce boss. Hop, donc c'est pas la peine que je retourne autour, on l'avait fait la dernière fois déjà, on sait qu'il n'y a rien, il faut juste s'occuper de ça. Par contre, je viens de réaliser un truc, c'est que... Tout ce que j'ai emporté, c'est bien mignon, mais comment je vais prendre le truc qui va me permettre d'activer l'ascenseur en fait?
étant donné que si je prends le truc qui me permet d'activer l'ascenseur, ben, je vais devoir poser un truc par terre parce que sinon il n'y a pas la place. Ça va pas être simple. C'est un jeu d'horreur, tu t'attends à un ourson rose qui fait des câlins comme boss. Ah, remarque, ça pourrait, hein, un ourson rose creepy qui fait des câlins. Hop. Attendez. Ok. Déjà, on peut peut-être essayer de combiner un peu ça, voilà. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Bon, cela dit, là-bas, on sait qu'il n'y a rien, si je me souviens bien. Je vérifie juste. Ah bah si, justement, là, c'est la zone où on va devoir affronter le boss. Donc, ce que je propose, c'est que, étant donné que de toute façon, on va devoir revenir là, hop, on pose le lance-grenade ici. Le boss devrait descendre de là, donc c'est ici qu'on va l'affronter, hein, il me semble. Donc j'espère que j'arriverai à trouver un moment pour ramasser mon lance-grenade. Puis sinon, bah, je vais être dans la mouise, hein, c'est pas grave. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, I... All right. Just be careful. I never saw him again. Je dis ça, mais je trouve que, je sais pas, la musique un peu triste en mode « Il faut que je trouve Billy !» C'est vraiment... pas très bien placé à mon goût. Je sais pas. Hop. Je peux pas revoir la tête de ce boss. Détends-toi. C'est bon. Hop. En principe, là, il y a mon lance-grenade qui est derrière. Je sais pas pourquoi il apparaît pas dans la cinématique, mais... Ah, prends, 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 prends! Mais t'es gourde, Rebecca! Je t'ai dit de le prendre, je t'ai dit de le prendre! Oui! Elle l'a pris. Changeons d'arme. Pousse! Je suis dans le menu! Non, on va plutôt essayer... avec le magnum. Non, mais j'ai esquivé! C'est pas juste. Ouf. Voilà, j'ai pas esquivé par contre. Recharge, recharge, recharge. On joue au jeu de la danse. Ouch. Zut. On était bien parti pourtant. Je vous jure qu'après ce boss, on sauvegarde.
Hop. Voilà. Voilà. Cette musique, ce sont les battements de cœur ou le bruit des machines. Hop. Oui, abaissez la plateforme, vas-y, allez hop. C'est Weekend en fait, a décidé de ne pas révéler ce type d'information. Mais je te demande pas de le révéler, hein, je veux pas non plus tout savoir. Oh là là. Sérieux, la cinématique qui sert à rien, quoi. Enfin, bon. Alors, comme tout à l'heure, on prévoit de laisser un truc dans le coin. Limite, j'ai envie de dire, on devrait le laisser ici. Hop. En espérant qu'il l'opposera à l'endroit que j'ai indiqué. Je sais pas du tout comment je vais faire pour qu'elle le rattrape, mais c'est pas grave. Hop. On va faire avec. Oh là là, une cinématique. Pour la énième fois, allez hop. I never saw him again, yeah. Hop. Les devs de ce jeu sont fans des cinématiques, c'est ça. Attends. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cinématiques dans ce jeu, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée, et si on en mettait une à chaque chargement de porte? Oh! T'es un génie! Quoi, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais espèce de schtroumpf. Attends, c'est bizarre ça quand même. Je suis précisément devant. Ah d'accord. Excuse-moi, j'étais à 3 mm de la position exacte. Bon. Ah, il rentre. Je crois. Un truc moche qui fait bloup bloup. Mais pas comme les hommes bloup bloup. Ça c'est un truc moche pointu. Voilà. Avec un gros cœur au milieu qui ressort. Hop. Le temps de ramasser ses affaires, tu sais. La 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 la. Hop là. Ouh. Ouch. Ça fait mal. J'ai plus de balles. hop.
Aïe. Lève-toi, Rebecca, lève-toi. Ouch. Mais bah, mais dans ta face! Pardon. Wouhou! Merci. Ouh, les ouvertures de porte, les échelles, les ascenseurs, oui. Si le jeu bug, on n'est pas sorti de l'auberge, ok, en effet. N'empêche que vibre beaucoup, il a dû avoir un portable. Coucou Fire, GG Naya, merci! Wouh! Puis comme ça, il nous reste plein de mines de Magnum. Oui. Oh bon, bah si. Ouais, par contre, j'ai plus de vie. j'ai pas de soins, je suis carrément dans la mouise en fait. Est-ce que je peux sortir de là ou est-ce qu'on est en pleine cinématique en fait? Sélectionner un niveau? Mais comment je sais où je veux aller moi? Bah vas-y niveau 1. Oh remarque, attendez. Ok, donc niveau 1 c'est là. Niveau 3 c'est là. Attendez, on est dans le centre de formation? Mais qu'est-ce qu'on fait au centre de formation? What the hell? Fayeur a cessé de fonctionner face à ce mutant, coucou. Reboot Fire, c'est ça. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on fout au centre de formation? On avait réussi à en sortir! On était libre! Là on n'a pas tout visité. Ah non non non, moi je vais y retourner hein. Raph, j'y retourne hein. J'ai des choses à faire moi là-bas. Un prototype infecté par un virus. Hop. Bon. Où est-ce que ça nous mène le niveau 2? Vas-y, carte. Ah bah voilà, on est là où je voulais aller. Pitié, dites-moi qu'il y a un soin. Et pas de zombies. Un soin et pas de zombies. J'entends un truc. Je me prends un seul coup, je suis dead! Qui vient de faire un pont avec... Non! Non, non, mais je suis pas prête! Over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge.
Non mais arrête tes conneries, je suis pas prête. Bon, je suis désolée de vous avoir fait faire un bond, mais c'est pas ma faute. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce mob? J'ai pas de vie, je suis foutue. Dis-moi qu'on pourra retourner dans l'ascenseur, je veux aller visiter la zone où il y a le mob, moi. Mais avec de la vie. Oh. Oh. Billy? Billy? Billy, réveille-toi! Billy, je suis sérieuse, réveille-toi! Fais pas le con! Oh non, mais quel boulet! Oh là 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 là! Qu'est-ce que ce sera quand on aura des lives sur Alien Isolation? Haha, bah ça, bah tu verras bien. Dis-moi qu'il y a une salle safe avec du soin en plus, hein? Ce serait bien. Salle safe avec du soin. J'ai terminé, voilà, c'est la fin du jeu. Non. J'ai vu un... Wouhou! Bon, il n'y a pas de soin, mais au moins... Au moins ça se sera fait. On ira, on retournera dans la zone. On est dans la dernière zone, faut pas abuser, ça fait moins d'une heure que le live est lancé. Ouais, c'est vrai que ce serait dommage quand même. Hop. Donc je disais, on va retourner dans la petite zone que j'ai vue là précédemment parce que... Attendez. Voilà, t'es mignon. Tu vas te mettre là, tu vas tenir le fil du casque parce que j'en ai marre qu'il se rétracte sur mon machin. Hop. On va retourner dans la zone en dessous parce que je veux savoir ce qui s'y trouve. Enfin, en dessous, au-dessus ou peu importe. Et puis, on va essayer d'esquiver le machin. Mais si jamais il nous tue, au moins on reviendra ici et pas à 500 km. Une personne qui arrête définitivement de jouer dans la zone finale. Ouais, non, mais c'est. Puis moi, il n'y a rien que je trouve de plus frustrant que les. Des personnes qui s'arrêtent alors qu'ils n'ont pas fini le jeu, tu sais. Enfin, je veux dire... J'ai commencé à regarder un let's play que j'aimais beaucoup et la personne a décidé d'arrêter de jouer parce qu'elle en avait ras-le-bol. Sauf que c'est pas la première fois qu'elle faisait ça et du coup, bah, tu te poses la question à chaque let's play que tu regardes de cette personne. Tu te dis, est-ce qu'elle va finir le jeu ou pas au final? Parce que vu que des fois, elle finit de façon aléatoire... Bah, je veux dire, j'ai pas envie de regarder un let's play qui va peut-être s'arrêter en plein milieu, quoi. Je vous l'avais dit, un coup, on est dead. Le machin, il nous a juste sauté dessus. Bouh, Rebecca meurt, c'est ça. Rebecca, la fille qui avait peur qu'on lui fasse peur. Hop. Attendez, tu sais, on va équiper ça. Comme ça, peut-être que je pourrais... si j'ai le temps de lui coller une bastos. Peut-être qu'il aura une chance de s'en sortir. Enfin, que j'aurai une chance de m'en sortir, plutôt. Et pour ça, faudrait qu'elle mette moins de 3 secondes pour se préparer, hein. Ce qui est un peu... Ribicruche, voilà, c'est ce qui est un peu... Mais je trouve que là, ils auraient dû nous prévoir du soin, quand même. Enfin, c'était évident qu'on allait perdre pas mal de vie contre le mob précédent, donc... Ils auraient pu quand même prévoir le coup, quoi. Hop, et là. Vous allez me dire, mais pourquoi tu retournes au niveau 2? Bah, parce que je veux savoir ce qu'il y a derrière le Tyrant. Enfin, le tracker, le... Ah, faut que j'arrête d'appeler tous les mobs Tyrant. C'est pas grave.
Tiens, là c'est qui a fait coucou à l'autre? Pardon. Ah, alléluia. On est sauvés. Voilà. C'est à prendre à vie la mob, mais c'est tellement ça. Ah, et donc là on retourne à l'endroit où il y a le train du coup. Bah attendez, on va déverrouiller la porte. La porte est déverrouillée, voilà, comme ça. Au moins ce sera fait. Ça sert à rien que j'y retourne, hein, c'est pour ça que j'y vais pas. Hop. Ah voilà, la fois précédente c'est lui qui m'a accueilli de cette façon, cette fois c'est moi. Voilà. C'est chacun mon tour. Quoique, attendez, je vais en profiter, je vais aller récupérer, vu qu'il n'y a pas de mobs entre les deux. Comme quoi, même dans un endroit aussi sale et creepy, les gens s'inquiètent de la fraîcheur et s'occupent des plantes, c'est ça. C'est tout à fait ça, voyons. C'est évident. Ah, mais mine de rien, j'ai tellement hâte qu'on en ait fini avec... avec les chargements de portes, les problèmes de caméra, les touches qui changent d'une pièce... enfin, d'une demi-seconde à l'autre. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on en ait fini avec tout ça. Argent, tu veux dire les mobs? Non, parce qu'il n'y a pas trop d'humains dans la zone, c'est vrai. C'est vrai, ça se trouve, en fait, hey, les zombies, c'est des écolos. Voilà. En fait, quand il s'approche de toi comme ça, c'est pour te dire « Non, détruis pas les plantes !» Hop. Voilà. On récupère le ruban encreur que j'aurais pu perdre si j'étais partie sans le prendre. C'est donc ça leur secret, mais oui. Depuis le début. On sait pas, peut-être que les mobs sont des jardiniers, c'est ça. Non, tu n'utilises pas le bon engrais. Ah là là, pardon. Hop, pour le coup, je vais quand même profiter d'un truc. On va retourner au niveau 1 dans le manoir, si c'est possible. Et je pense que ça doit l'être. Parce que comme ça, on va peut-être pouvoir récupérer les trucs qu'on avait laissés en arrière. Vu que là, on peut accéder à peu près à toutes les zones, autant en profiter. Autant en profiter, quoi. Encore une fois, les touches qui changent en plein changement de caméra, c'est vraiment... Bref, on va s'y faire. Hop. Laisse mon potager en paix, espèce d'humain, c'est ça. Hop, et là, et voilà, on retrouve un peu tout ce qu'on avait laissé en arrière. Oui. Bon, tout sera pas forcément utile, mais... Hein. En fait, y a rien d'utile, là. Si, on pourrait récupérer un deuxième pistolet, histoire de... Parce que là, on a quand même... Voilà, on a 139 munitions de pistolet.
On peut peut-être essayer de partager un peu, non? Je sais pas. Hop. Après, ça risque d'être plus gênant qu'autre chose, mais bon. Essayer de récupérer l'autre pistolet. Allez! Arg! Elle va me tuer, cette cruche! Voilà, c'est bien! Oui! Elle a réussi! Elle l'a pris! Ah! Hop! Et voilà! T'inquiète, plus t'avanceras, plus tu entreras dans les rues récentes, plus ce sera jouable, plus ce sera mieux. Bah oui, logique! Mais Yvonne, fallait prendre l'engrais violet, pas le bleu! Mais pourtant, j'ai pris le violet, je comprends pas! Regarde-moi ça, résultat, t'as fait pousser des plantes bleues! Alors que nous, ce qu'on veut, c'est des rouges! Ah, j'ai compris d'où ça vient! Pardon. Les mamies zombies. Ah là là. Bon. Je voulais écrire Yvonne de base, mais bon, ah d'accord. Bah, Yvonne, Yvonne. Y'a qu'une lettre de différence après tout. Hein. Hop. Voilà, je veux plus avoir à refaire ça. Parfait. Ouh. Voilà, bien. Maintenant qu'on a tout ça, l'ascenseur ne marche pas. L'alimentation a l'air d'être coupée. Moi, je veux bien, mais je suis censée aller où du coup? Non, parce que là. Ok. Donc l'alimentation de l'ascenseur est coupée. Est-ce qu'il y a un truc dans le coin qui permet d'alimenter l'ascenseur par hasard? What the fuck? Panneau d'alimentation du barrage. Ok. En désignant un point d'alimentation électrique, il est possible d'alimenter n'importe quelle zone jusqu'à 2 points d'écart. Changer les points. Ok, alors, attendez. Il est possible d'alimenter n'importe quelle zone jusqu'à 2 points d'écart. Le réservoir... Attendez. Control room, last disposition, fire tank, warehouse, main control room. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu... Vous m'en demandez trop! Au secours! Alors, je suppose que... Il faut réussir à tout alimenter, ça doit être ça. Le courant est coupé, la porte est verrouillée, il n'y a pas de serrure, et maintenant l'alimentation de l'ascenseur est coupée. Personne ne peut vivre dans un endroit aussi peu pratique, sérieux. Mais tellement... Mais t'imagines, genre par exemple, si t'as besoin, je sais pas moi, de ramener tes courses chez toi, voilà. Hein. Situation pratique de la vie de tous les jours, t'as besoin de ramener tes courses chez toi. Sauf que...
Le problème, du coup, c'est que bah tu te retrouves dans une situation où en fait tu peux pas parce qu'il y a l'alimentation de l'ascenseur qui est coupée et toi tu te retrouves en bas avec tes courses. T'as pas d'escalier pour monter parce que bien sûr ils ont pas prévu ça, sinon ce serait beaucoup trop pratique. Donc à moins de te faire pousser des ailes, et bah tu ramènes pas tes courses chez toi et puis voilà. Bon. Waouh! Ah. Donc genre par exemple là, si je fais ça. Oh. Il n'y a toujours pas d'électricité. Apparemment, l'électricité ne sera rétablie pendant tous les points, ne recevront pas le courant. D'accord. Ok, j'ai compris le but du jeu. Donc, il faut trouver. En gros, il faut désigner trois points clés qui permettront d'alimenter la totalité du réseau. Ok? Ah, punaise. Alors, si je prends celui-là, par exemple. Il va alimenter celui-là et celui-là, donc il ira jusque-là. Là, il va aller là et là. Et là aussi. Il va alimenter celui-là et celui-là. Et celui-là, tant qu'à faire. Donc. Voilà. Donc, on a alimenté cette partie-là du schéma. Ok. Spoon bébé. Pardon. On dirait que l'électricité a été rétablie. Yep. Oh, regarde, une femme, je pense qu'elle cherche des plantes. Ah oui, comme dans notre ancienne boutique de fleuriste. Attends, on va lui demander ce qu'elle veut. Yvonne et Aude s'approchent de Rebecca. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose en particulier? Rebecca tire sur Yvonne. Non Yvonne, laissez-la en paix, nous donnons tout l'engrais bleu et violet que nous avons. Mais à quoi ça sert de faire un système aussi énigmatique? Tu peux pas juste actionner un bouton et hop, c'est fait. Ou alors t'appelles un électricien. Oui, c'est vrai que... Voilà. Oh là 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 là, mais Pouh, bon, bah au moins. Ah bah maintenant il fait jour. C'est moins creepy d'un coup, c'est plus jour. Lumière. Jour. Pardon. Tu vas bien? C'est bien mignon, mais si tu gaspilles toutes tes balles de Magnum, au bout d'un moment, t'en auras plus, chérie. Hein. Enfin, je suppose que je dois m'estimer heureuse du fait qu'au moins je les ai tous one-shot. Bouteille, super. Donc j'ai largement de quoi te faire, de quoi faire des cocktails Molotov. Oh, du soin. Pardon. C'était les aventures de Yvonne et Aude, qui n'auront pas duré longtemps malheureusement, étant donné que Rebecca est passée par là. Je me sens mieux. Yvonne et Aude, les mamies zombies botanistes, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans leur boutique zombotaniste.
Chez Ivan et Aude, la boutique Jean Botaniste. Ici, on mange pas les gens, on cultive les plantes. Vous pouvez payer en organes et autres. Je n'aime pas ce machin, c'est moche. Bon, finalement, les cocktails Molotov, c'est pas inutile. Alors. Oh god, non, pas encore ce truc, c'est ça. Tu viens de comprendre mon sentiment en une phrase, c'est bien. Alors, pour le coup, je vais mettre... Il faut que je pose quelque chose. Hop. Quelques minutes, hein. Je viens te récupérer tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ne t'en va pas, hein, surtout. Hop. Bon, bah espérons que 3 suffiront. Remarque, peut-être qu'avec le Madnum, on peut aussi one-shot ce machin, non? Qui me dérive encore plus que les mobs. Mais non! Vous êtes resté là à faire à rien faire, tu veux pas brûler les mobs pour quoi? Non mais c'est ça, voilà. Fire, je t'emprunte un peu de ton feu, d'accord? Boutique Jean Botaniste se trouve dans la célèbre ville de France, vin de Dieu. Habité par une majorité de mustangs, bon, je serais mort vivant. Respectez notre communauté! Comme nous respectons la vôtre. Oh là là. Mais lance. Mais lâche-moi. T'as fini? Je veux pas de câlin. Oh bah. Ah non mais là c'est combo quoi. Je vous jure que j'ai appuyé sur les touches pour m'en aller mais Alors. Ah oui, du coup. Il faut qu'on refasse l'énigme qui est là. Oui, je sais, je sais. Ok, vas-y, changez les points. Oui, alors, on alimente celui-ci. Ensuite, on alimente celui-là. Ensuite, on alimente celui-là. Voilà. Oui, je sais. Oui, 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 oui. Oh là là, l'alimentation a été rétablie, comme si je le savais pas. Hop, bien. Alors. Donc là, on s'avance un peu. Je vais entendre les zombies, vas-y. Et pour le dernier, on équipe le pistolet. Ok, ensuite, plante rouge, hop, plante bleue, enfin plante verte plutôt,
Hop. Lorsque vous passez la porte verte, vous serez directement contre le mur de gauche. Je veux que ce magasin, cette pub et cette vie zombie existent. Eh, Tio, si on sortait une nouvelle espèce de plante, la plante violette, mélangée avec la bleue, ça donne quoi? Even, testons ça tout de suite. En même temps, la plante, la divinette. Pour vous satisfaire de la fraîcheur de votre maison. Et en plus, c'est pas cher. Zombotaniste, la boutique des plantes fraîches. Zombotaniste. Ah là là. Hop. Sauf qu'en réalité, la plante, la divinite, est une plante qui a une conscience et qui parle. Oh ! Maman, je suis super heureuse que tu m'aies créée. Mais tu sais, mon enfant, on a inventé ça parce qu'on est des zombies. C'est pas parce qu'on n'a pas de cerveau qu'on n'a pas d'imagination. Oui, parce que les zombies, ils sont morts. Du coup. Bref. Quel génie, ces deux mamies. Oh là là. Allez, c'est pas grave. Alors, avec les mamies zombies, trouve tes plantes où tu veux. Le délire typique à RE. On va voir. Aïe. Ah. Cette porte n'a pas de poignée, il y a un carré, va la tuer, va la ta. Bon. Recharge, recharge, recharge. Je veux bien, mais je voudrais cette bouteille. Vous ne pouvez pas transporter cet objet, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, donc il y a une espèce de bouteille là. Enfin, il y a une bouteille ici. C'est pas une espèce de, c'est une bouteille. Hop, que je ne peux pas transporter, bien entendu. Ok, bon bah on va voir ce qu'il en est, hein. Que voulez-vous? Mais détendez-vous, cher Kouwayuki, achetez la plante exit la ruine, nouveauté de Yven et Aude. Les zombotanistes. Oh là là. Tiens.
C'est quoi ça là-haut? Oh! Vas-y, descends. Grimpe là-dedans. Il y a de la place pour une batterie, d'accord. Donc, à mon avis, il va falloir rapporter une batterie ici. Encore des plantes! Bon. Bah, si, encore des plantes, écoutez, on va pas. On va pas se priver, hein. Mais c'est louche, hein. J'ai jamais vu autant de soins en un endroit aussi petit. Et si on mélange les plantes jaunes et la... Et si on mélange la plante jaune et la plante rouge, ça donne quoi, Aude? Je sais pas, essayons. Cette plante est une plante qui éloigne les zombies sans su. Mais c'est formidable, Ivan. Ces voleurs ne pourront plus s'approcher de nos plantes. Désormais, nous la nommerons la plante zombie sans su. Salut, Ruga. Hop. Ça parle de Ivan et Aude. T'arrives pile dans la création du nouveau délire propre à Resident Evil. C'est ça. Hop, combiné. Voilà. Rendez-moi mes cocktails. Mes cocktails Molotov. Bon. Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte? J'ai peur. Bon, on a des munes de fusil, mais ça nous servira à rien étant donné que je n'ai pas de fusil. Putain, ça fait tellement flipper. Ça me fait trop peur cet endroit, c'est casse-pied. Oh. 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 Orgue. Bon, descends. Ok, ça m'a fait peur. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Que je comprenne ce que je dois faire. Parce que là, va falloir faire joujou avec les caisses. Donc, les pousser, les repousser et compagnie. Mais alors, dans quel sens on doit faire quoi? Alors... Hop. Chacun son métier, d'accord. Elle, elle ne peut pas pousser... Elle ne peut pas pousser les caisses. D'accord. Ah, c'est parce que c'est une caisse en métal. Métal. Ok. Succès déverrouillé, chacun son métier. C'est quand même cool, ça. Hein. Ah ah. Je n'ai pas la moindre idée de si ça va servir à quoi que ce soit. Je suis en train de faire un truc qui sert à rien. Mais je m'en fiche, au moins je l'aurais fait. Voilà. Hop. Ceci était quelque chose d'inutile, mais je l'ai fait quand même. À mon avis, ça va pas du tout avoir le... Hop. Mon cœur, Yvonne se nomme Yvonne. Ou alors Yvonne a une double personnalité qui est Yvonne. Oh, va savoir. Bienvenue sur le live, n'hésite pas à acheter nos belles plantes. Bienvenue sur le live, Roucarnat, n'hésite pas à acheter nos belles plantes pleines de fraîcheur, faites avec amour par Yvonne et Aude, les mamies zombies botanistes, ou MZB.
chez Zombotaniste. Yvonne, c'est la mascotte du magasin. Rebecca s'occupe des plantes et de la chimie. Herbilly, c'est les caisses, c'est ça. Yvonne, c'est la petite plante chez un zombie. Ah pardon, j'ai pas lu. Il y avait marqué quoi? C'est qu'elle régule le remplissage d'évacuation de l'eau dans les réservoirs. Elle contrôle aussi la rotation de la rampe. Utilisez la appareil. Vas-y, remplis. Je veux voir ce que ça donne. Oh oh. Intéressant. Ça confirme que ce que j'ai fait avant était totalement inutile, mais c'est intéressant. Hop. Je ressors pour voir si ça va remettre les caisses à leur place en fait. Bon, vous avez fini de me faire faire de la pub pour Zombotaniste là, il y a un moment. Ok, donc à l'heure actuelle, on est dans cette situation. Cette caisse-là, je ne peux pas la déplacer moi, il faudrait Billy. Or, je n'ai pas Billy. Donc, si je fais pivoter la porte, je pense qu'elle pourra pas à cause de la caisse machin là, non? Attendez, on va essayer. Le live, il n'est pas sponsorisé par Zombotaniste. Il passait où, monsieur? Je prends la pause, j'ai quelques lives de retard. Bah là, en fait, il s'est fait pousser par un... Alors, il s'est fait pousser par un singe qui l'a fait passer par-dessus une rambarde. Un singe zombie, hein, bien entendu. Et puis après, il a été, comme qui dirait, bouffé par un poisson, je dirais. Quelque chose comme ça. Et donc, là, on essaye d'aller le sauver. Hop. La gauche, c'est de quel côté? Vas-y. Ah oui, c'est pas le côté que je voulais. D'accord, en plus, soit ça fait le mouvement en entier, soit ça le fait pas. C'est pas cool, ça. D'accord, donc c'est bien ça. Mmh. Remarque, je pense que ça signifie qu'avec Rebecca, on n'a pas à s'occuper des caisses qui sont en bas. Vas-y. Billy est dans le coma, il rêve d'une Rebecca qui invoque des plantes. C'est un peu ça. Il prend un bain dans les égouts. Ouais. Est-ce que Rebecca peut passer... Eh, vas-y, descends et fais ce que je te dis, un peu, hein. Donc elle ne peut pas aller de l'autre côté. Ok. C'est une porte, ça? Oh! C'était une porte! Je le savais même pas. Ah! Berk! Vite, écrasez-les toutes! Pokémon! Pardon. Écrasez-les, c'est une autre histoire. Pardon, je suis désolée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les lives, vous avez le planning qui s'affiche maintenant. Non mais là, maintenant, vraiment, hein, je vous assure, vous pouvez regarder, y a... c'est affiché. Donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir assister en direct à cette session à laquelle vous venez d'assister, du coup, en rediffusion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, et bah, vous pouvez toujours mettre un petit like, c'est toujours sympathique, et puis ça m'encourage dans ce que je fais, même si je le fais surtout parce que j'aime ça, faut l'avouer. Et si vous voulez laisser un petit commentaire pour me dire, je sais pas, soit ce que vous en avez pensé, soit si vous avez des astuces ou des conseils, ou tout simplement parce que vous avez envie de raconter quelque chose, même si évidemment ce serait mieux que ça ait un rapport avec la vidéo, vous pouvez vous exprimer, de toute façon les commentaires sont là pour ça.
Je vous remercie d'avoir regardé, vraiment. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.